Eh bien, bonsoir à tous. Karim, de la chaîne YouTube Ragnarok, oui, lui-même. Petite peau de bête posée au coin du feu. Je plaisante, c'est une lampe. Karine Viard, cette fois-ci. Karine Viard s'est dit, tiens, comment je peux faire pour faire la promotion de mon film que personne n'ira voir? Donc, je tairai le nom, parce que je ne m'en rappelle pas, parce que je m'en bats les couilles, en fait. Cette charmante Karine, qui s'est illustrée dans l'ignominie, la bassesse, l'horreur, en crachant sur une partie de son audience, de son audimat. Qu'a-t-elle dit, cette charmante demoiselle qui a joué avec le grand Jean-Paul Rouve, hein, c'est dire, si vraiment là c'est une belle référence. Elle dit, pour les personnes qui ont décidé de ne pas se faire administrer le précieux nectar, on ne les soigne pas s'ils chopent le Voldemort. Oh non! Toute façon, moi, ce n'était pas prévu, je vous rassure. Et dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aujourd'hui, les personnes qui vont s'octroyer comme ça le droit de dire qui on soigne pas, c'est des personnes qui jouent la comédie, en fait. Quelque part, il y a un symbole derrière tout ça. Donc, Karine, je te tutoie, c'est par manque de respect. Il serait peut-être bien de rester dans ce que vous savez pas très bien faire, déjà, c'est-à-dire jouer la comédie. Votre travail d'acting, oh, que dis-je, c'est de la merde. Et puis, alors, ce qui est très drôle, c'est que je me souviens d'avoir regardé un de tes films, comme quoi je devais être malade pour le coup. Au final, ça m'a pas soigné. Tu joues une femme qui tombe amoureuse d'un trader. Est-ce comme François Cluzet, un rôle de composition quand il joue intouchable, puisque tu tombes amoureuse d'un trader qui en fait fait couler des sociétés. On a le sentiment quand même que un Macronie, fais attention, il les préfère plus âgés. Tu n'auras pas de rétribution pour loyaux services ou soumission. Ça ne marche pas comme ça avec ces gens-là. Je crois qu'ils respectent vachement plus les personnes qui leur tiennent un peu tête en se disant, oh, eux, ils sont pas tombés dans le panneau quand même. Donc moi, je vais faire exactement le contraire de ce que tu fais. Je vais dire aux personnes qui ont fait ce libre choix consenti de continuer, d'être braves, d'être courageux, des personnes qui ont perdu leur travail, des personnes qui ont été suspendues, nos soignants, nos médecins, nos pompiers, etc. Là où toi, tu gagnes encore bien ta vie en pleine inflation, dans une période très compliquée. Donc quelqu'un qui est payé pour faire de la désinformation pour moi, c'est-à-dire faire des saloperies, ça s'appelle une pute. Allez, bonne soirée, enfin bonne journée.